permet à des gens qui ont des belles voitures de se faire un peu plaisir avec, ça permet à des gens qui en rêvent de pouvoir monter et faire des tours avec, et puis l'argent est reversé à une association, donc c'est pour la bonne cause. Donc voilà, je trouve que c'est sympa d'y participer, ça ramène du monde, ça ramène de l'argent pour la sauce. Je passe un moment en Alsace, ce qui m'arrive pas souvent, je revois un peu mon public, les supporters qui sont toujours là, donc ça fait toujours plaisir. C'est clair que l'Alsace, c'est quand même c'est mes racines. J'ai des super souvenirs d'ici, j'ai mes potes qui sont encore dans la région, dont certains qui sont en train de faire les saucisses, l'autre qui organise. Donc voilà, c'est toujours un bon moment de revenir sur les terres. Vous connaissiez Marlène Hamme avant, parce que bon, vous êtes plus de Oberhofen et de Sousse-Forêt? Oui, mais je connaissais parce qu'il y a du bon vin. Il y a Arthur Metz qui est pas loin et on avait travaillé avec eux pendant quelques années à l'époque avec Sébastien Brassing. Et puis, bah oui, c'est quand même un peu mon secteur. J'étais régulièrement vers Saverne aussi, donc Marlenheim, je connaissais sans connaître vraiment, mais oui,